Roger Ferland, je retourne à vous. Bon, à la lumière du reportage de JE, notre collègue Denis Thériault, 1300 véhicules qui sont volés chaque mois au Québec. Évidemment, on ne connaît pas toute l'histoire, les deux camps non plus, mais comment se fait-il qu'on n'a pas d'abord téléphoné aux policiers? Ben voyez-vous, c'est la partie un peu qui m'inquiète, puis que je suis capable de comprendre, par contre. En ce moment, je parlais avec des amis tout récemment, puis ils me disaient, « Roger, faites de quoi? Les gens vont commencer à se faire justice eux-mêmes. Ils vont s'armer, ils vont se protéger. » Faut pas que ça arrive, ça, Julie. Comprends-tu? On est dans un contexte en ce moment où ce que les gens ont voulu récupérer eux-mêmes leur auto. Ben, quand on va récupérer ces gens-là, tu sais pas dans quel contexte sont les gens dans un crime après avoir fait un vol ou quoi que ce soit. Ils avaient une machette. Les gens sont souvent armés. Oui. Oui, on se le fait dire. Même un vol par effraction dans ta maison, là. Certains bons criminels m'ont déjà dit, Roger, j'ai toujours un tournevis dans les mains, puis si quelqu'un m'agresse, je dis, hey, c'est toi qui es rentré dans la maison du citoyen. Non, non, Roger, je vais m'en servir. Wow, OK. Mm. Fait que ça fait réfléchir à dire, avant de poser un geste, puis on l'a vu, SPVM tout récemment a intercepté un véhicule volé, ils se sont fait foncer dessus. À la Ville de Québec tout récemment, dans Val-Bélair, ils se sont fait foncer dessus encore là, parce que c'est une arme offensive. C'est sûr que on a le droit, nous, comme policiers, d'utiliser la force. Mais voyez-vous, dans le contexte, c'est délicat, là. La force que les citoyens ont utilisée pour récupérer eux-mêmes leurs biens, qui était justifiée de récupérer, on s'entend, Julie. Ça aurait pu mal finir, mais est-ce que c'est parce qu'on se dit les policiers sont trop débordés, ils n'auront pas le temps de s'occuper de ça? Possiblement, mais c'est ça qui est triste. Ouais. On veut des fois aller plus vite. T'sais, on vit tous avec le mode Internet en ce moment. L'action, on la demande, on l'a tout de suite, on regarde dans notre cellulaire, on a notre réponse. On a créé ce mode de travail-là aussi en ce moment. Les citoyens ont souvent cet effet-là. Ils pensent qu'on va tout régler en 5 secondes. Mais par contre, on a très bien vu dans l'émission JE qu'il y a des gens qui attendent très longtemps pour récupérer leur véhicule. Puis ça non plus, c'est pas drôle. Ouais. C'est pour ça que là, il faut qu'on ramène une priorité. Il y a un équilibre à refaire entre le travail et le rendement que les policiers doivent donner. Là. Les véhicules volés, je pense qu'on a mis ça de côté un peu. Bien, il faudrait le ramener sur le dessus de la pile. Parce que c'est un dossier qui nous touche tous au niveau des assurances, qui peut amener des conséquences et en ce moment qui donne beaucoup d'argent au crime organisé pour se financer. Il y a des jeunes en ce moment qui se financent avec ça. C'est très payant. Moins dur que de vendre un kilo de coke. Ils sont capables de faire full d'argent juste avec un véhicule. Puis regarde à quel point ils y tenaient. Ils revolent deuxième fois véhicule. Roger Ferland, qui est avec nous, ancien enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Merci beaucoup, Roger. Merci. Bonne journée à vous, G. À vous aussi.